Notre choix sur la Grèce, il est simple. Nous pensons d'abord que le plan qui a été annoncé la semaine dernière est un bon plan. Nous participons aux côtés des autres créanciers privés à cet effort et à ce plan. Et nous tirons les conséquences comptables de ce plan, c'est-à-dire que sur les échéances de dette grecque antérieures à 2020, nous enregistrons dans nos comptes une perte qui est égale à la différence entre le prix d'achat de ces titres et leur valeur de marché au 30 juin.